L'exercice de cyberdéfense a lieu ici. Ah, justement, c'est sur Poutine et Bachar el-Assad. C'est que de la merde, tout ça. C'est plus le Mossad, c'est pas le Shin Bet. L'attaque s'en prend à notre réseau. Et quels sont les dégâts? Service secret d'Israël ou quoi? Regardez, voilà le virus. Il vole nos mots de passe et il espionne tout ce qu'on fait pour l'arrêter. Il est très coriace. Le cyberterrorisme, les bandes de cons. De jeunes extrêmement bien formés. Ils ont cloué leur chef dans leur ordre. Contre 3 dans les autres unités. Quand c'est que vous allez ouvrir vos esprits? Certaines pourraient un jour neutraliser nos tanks, nos hélicoptères. L'âme, ça se vend pas. Le bon Dieu, ça se vend pas. Il faut toujours qu'on anticipe. Le Vatican, c'est de la merde. Les plus doués rejoindront l'unité d'élite 8200. Pour l'historique. Des soldats capables d'attaquer et de neutraliser les infrastructures d'un pays étranger. Il y a 5 ans, ils ont ralenti le programme nucléaire iranien. Pour pousser encore plus loin cet avantage, c'est plus nucléaire, c'est moléculaire. Et vous faites que de la merde sur cette planète. 30 000 soldats sont attendus dans ce quartier surnommé le Cyberpark. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Ben c'est moi. Le gouvernement veut les pousser à collaborer plus activement avec le collaborer. Voilà. Collabo. Et soldats main dans la main. Un gouvernement, un gouvernement. Je dis toujours pareil, mais c'est pas de ma faute. Faites que de la merde sur cette planète. C'est mon globule, je suis un électron libre. Tu sais comment c'est grand la Voie lactée, tu sais comment c'est grand l'univers, tu sais comment tout ça. Moi je voyage donc du fer. Et nous, nous avons besoin de plus de personnes formées pour faire face à ce défi. Israël manque aujourd'hui de 2000 ingénieurs formés à la cyberdéfense. En France, 5000 emplois restent à pourvoir dans le secteur. Tout de suite, un rapide ça me plairait, politique. L'annonce était attendue au plus tard cet après-midi. Finalement, il faudra attendre encore un peu pour connaître l'ampleur du nouveau remaniement ministériel. C'est le deuxième depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Bonsoir, Amandine Atalaya. Vous êtes en direct de l'Élysée. Bon, c'est et de la vous merde. Avez des précisions sur les raisons de ce contretemps? Oui, Gilles, il y a en fait des ajustements plus délicats. Dans l'espace-temps, que prévu. Dans l'espace et le temps, à travers l'espace-temps, Emmanuel Macron, lors d'un déplacement, vous faites de la merde. Secrétaire d'État Benjamin Griveaux, félicitations. Votre Dieu est argent. Et selon nos informations à l'heure actuelle, mais mon esprit, le temps en argent n'existe pas. Être nommé nouveau porte-parole du gouvernement sans autre portefeuille. Je dis, je vais faire une conférence. Qui jusque-là avait un poste assez peu un tableau. Exposé à Bercy. Christophe Castaner, le nouveau patron de la République on sait, En Marche, pourrait, lui, rester au gouvernement finalement. En tout cas, il se